Ce pont ne permet plus le passage des voies pour le futur TGV. Nous allons passer de 4 à 6 voies. La largeur n'est plus suffisante, la hauteur n'est pas suffisante non plus. Ce qui fait qu'on est obligé de le démolir par explosif. Il y a 140 kg d'explosifs répartis dans 720 trous. Les protections qu'on a prévues sont suffisantes. Il y a un ensemble de traverses recouvertes de contreplaqués, plus de la bande de caoutchouc de 1 cm d'épaisseur. Au niveau du rail par lui-même, on l'a surprotégé avec des bottes de paille. On va aller voir le résultat sur le terrain. En tout cas, au point de vue pyrotechnique, tout a fonctionné. Maintenant, il nous reste 7 heures pour déblayer au moins 2 voies. Ça va être du travail de découpage pour évacuer les voies le plus rapidement possible. De déblaiement avec trois pinces. Il va y avoir 2 pelles à goder. Il y a 2 tombereaux pour le transport des gravats. Avec ça, tout le personnel à pied, donc en pleine phase de travail, on sera une trentaine de personnes sur le site. Pour la voie de bis, on est prêt, on rend pratiquement à l'heure. Les caténaires vont intervenir d'ici 5 minutes, le temps de remonter de leur base. Donc ça marche pour l'instant comme sur des roulettes. Il est 7h20, les derniers éléments du platelage de protection sur la voie 1 bis sont enlevés. Nous avons donc réussi notre pari, on a même fait plus puisqu'on devait rendre 2 voies avant 7h55 et on rend les 4 voies à 7h20. Donc opération rondement menée avec des entreprises compétentes et une organisation sans faille, parfaite. Yeah.